À l'ouest de l'Ouganda, la rivière Mpanga trouve sa source dans les montagnes Rwenzori. Mpanga, dans notre langue, signifie « la terre des sols libres et fertiles pour nous nourrir ». C'est vrai qu'ici, la terre est très fertile et propice à l'agriculture. Dans mon pays, presque tout le monde travaille et vit de la terre, comme dans ma famille. Je m'appelle Laetitia. J'habite à Kamwenge, dans le village de Kangoma. C'est ici que j'ai fondé ma famille avec Herbert, mon mari. Nous avons 4 enfants à la maison. Abel, 12 ans, Debra, 9 ans, Félicien, 7 ans, et ma plus petite Patricia, 5 ans. Mon mari a aussi d'autres enfants qui vivent avec nous. Il y a Andrew, Festo, Sinat et sa petite Jamima. Elle a 2 ans et aura bientôt un petit frère. Nous sommes donc nombreux à la maison. Je produis principalement des bananes. On en produit pour notre consommation et on en vend aussi. Depuis 3 ans, avec un groupe de voisins et une association locale soutenue par Île de Paix, on se réunit pour discuter et partager nos techniques et connaissances agricoles. Ensemble, on trouve des solutions pour améliorer notre sécurité alimentaire. L'exercice que je préfère, c'est quand on dessine la ferme de nos rêves. Ce matin, on regarde notre plan de ferme avec une voisine. Dans le plan d'une ferme, c'est bien de mettre plusieurs cultures pour la sécurité alimentaire. Ça aide à lutter contre la faim. Des arbres fruitiers, de l'agroforesterie par exemple, mais aussi des chèvres, des vaches. Ils s'entraident les uns les autres. Ce plan implique toute la famille. Les enfants doivent y être intégrés, parce qu'ils ont souvent des idées à apporter au projet futur. Le plan peut toujours évoluer ou être ajusté en cas de problème. Il faut garder espoir et persévérer jusqu'à ce qu'on y arrive. Mon mari et moi rêvons de construire une maison en briques. J'aimerais aussi qu'on ait plus de chèvres et de poules, même des vaches pour que mes enfants boivent du lait chaque matin avant l'école. Un super farmer, c'est une personne qui est très motivée. Un agriculteur ou une agricultrice qui travaille pour rendre sa ferme plus écologique. Un bon exemple, c'est Laetitia. Elle fait des tranchées, elle pratique une agronomie moderne, elle est motivée, elle a envie de changement et elle a un plan avec une vision sur le futur qui est très sain. La diversité agricole, c'est avoir une variété de cultures et d'animaux, mais aussi différents objectifs, comme avoir des cultures pour la nourriture ou pour avoir de l'argent. Dans ce cas-là, la famille est en sécurité, elle est plus durable, elle ne sera pas affectée par des éventuels chocs externes. Depuis 2 ans, notre ferme a beaucoup évolué grâce aux formations reçues. C'est incroyable toutes les nouvelles choses que nous produisons chez nous. Du maïs, des haricots, et on a maintenant un potager varié. Des tomates cerises, du dodo, des papayes, des aubergines, des poules et une petite chèvre de quelques mois. C'est important d'avoir différentes productions. Par exemple, quand ce n'est pas la saison des bananes, j'ai les haricots. Pendant toute l'année, j'ai des légumes du potager. Tout ça donne une alimentation équilibrée et une sécurité alimentaire. Chaque matin, mon mari et moi partons dans nos champs pour travailler la terre, semer, protéger, nourrir et récolter. Les principales difficultés auxquelles nos agriculteurs ougandais sont confrontés, c'est d'abord le climat imprévisible.
Mon plus grand défi, c'est la sécheresse qui se prolonge. Les années précédentes, au mois de mars, on recevait beaucoup de pluie. Mais cette année, il n'a pas encore plu. C'est un problème pour la production. J'ai fait un système de tranchées pour améliorer ma production. L'eau de pluie est récoltée et les plants des deux côtés de la tranchée reçoivent toute l'eau. J'ai été voir un voisin pour lui expliquer les problèmes que nous rencontrons dans nos champs. Il m'a donné un mélange qu'il fabrique lui-même. J'en mets sur les bananiers tous les soirs. Il m'a promis qu'il me donnerait la recette de cette concoction bio. Des piments rouges. Un peu de cendre. Des crottes de brebis. Des feuilles de tabac. Voilà, tout y est. Les gens du village commencent maintenant à me demander de ma concoction. Des gens de plus loin viennent même m'en acheter. Avec les voisins, je vais de l'échange. Ils m'apportent des ingrédients et je leur donne un peu de concoction. Je suis fier de ma concoction biologique parce que j'économise en n'achetant plus les produits chimiques. J'utilise ce mélange sur mes plantes pour contrôler les maladies et qu'elles soient saines. Anduro. Une autre difficulté est le fait que les prix des marchés sont volatiles et peu fiables. Quand les bananes sont mûres, nous les vendons. Nous pouvons aussi stocker nos récoltes de maïs et de haricots dans des greniers et attendre que les prix augmentent. Quand le prix est monté, je vends et je garde l'argent pour les frais scolaires ou pour d'autres besoins. La saison dernière, j'ai pu payer les soins de santé de ma fille grâce au maïs qui n'était plus sur le marché. Avec l'appui d'Île de Paix, nous avons créé un groupement d'agriculteurs. Moi, je vends mes produits, la banane particulièrement, au marché de Kabambiro. Une fois l'argent gagné, nous le gardons dans un groupement d'épargne. Toutes les semaines, chaque participant apporte une somme. Nous ajoutons l'argent à la boîte commune, fermée avec trois cadenas. Et à la fin de l'année, nous avons épargné de l'argent. C'est comme une banque entre agriculteurs voisins. L'avantage, c'est que l'argent liquide est maintenu en sécurité. Et puis, on peut emprunter de l'argent quand on en a besoin. À la fin de l'année, l'argent économisé peut être utilisé pour quelque chose d'important, comme la scolarité, un morceau de terre ou l'achat d'un animal.
Nous encourageons également nos agriculteurs à réaliser diverses activités génératrices de revenus, comme les briquettes bio, l'artisanat, ainsi que l'apiculture. Elles sont respectueuses de l'environnement, mais elles offrent également diverses sources de revenus. Dans le village, il y a un autre groupement qui a appris à fabriquer des biobriquettes. C'est du combustible fait à partir des restes des champs. En les transformant en charbon, on peut l'utiliser pour cuisiner. Ça évite de devoir couper du bois. Ça permet de lutter contre la déforestation et de gagner de l'argent. Les super farmers ne gardent pas leurs connaissances pour eux. Ils les partagent avec leurs proches et leurs voisins. Certains ont des parcelles de démonstration pour expliquer à d'autres agriculteurs leurs différentes pratiques et nouvelles découvertes. J'ai participé à une journée d'échange avec les agriculteurs d'une région voisine à Karangoura. C'était inspirant de découvrir d'autres techniques que les nôtres. Ces agriculteurs sont motivés de changer leur vie. Donc nous leur transmettons des connaissances d'un point de vue agroécologique, tout en respectant leurs connaissances traditionnelles. On a visité des pépinières, des plantations de café, des potagers. On a rapporté des arbres et on a appris plein de choses. On pourrait en incorporer dans notre plan de ferme. Là, il y a le potager. Ici, la chèvre. La plantation de bananiers, le manguier. Et de l'autre côté, les toilettes. Qu'est-ce que vous auriez envie qu'on ajoute ? On pourrait ajouter les arbres dans la plantation. Comme ça, on aura du bois pour le feu tout près de la maison. Je propose qu'on ajoute des oranges, des courges et des arbres fruitiers. J'ajoute le potager et les arbres. Merci. Ce sont les plantes qu'on a reçues à Karangoura. On peut les planter avec les bananiers. Leurs feuilles vont faire de l'engrais et on aura du bois pour le feu. On va le planter ? La diversité et la résilience sont étroitement liées. L'un mène à l'autre. Avec la diversité, on est plus résilient. Nous sommes face au changement climatique et à une météo imprévisible partout dans le monde. Nous sommes touchés par des maladies émergentes. Certaines d'entre elles apparaissent car nous détruisons la nature. Retournons au principe de la nature. Revenons à des activités qui ne détruisent pas l'environnement. Tournons-nous vers la nature. Let's go, nature. Si on prend soin de notre nature, de notre biodiversité, si on varie notre production, qu'on développe des activités qui nous donnent un revenu, je sais que je pourrais offrir à chacun de mes enfants ce que je désire le plus.
de la nourriture chaque jour et la scolarité qu'il mérite. On sera plus fort pour affronter les changements climatiques à venir. Who is the DJ? I am with you. Who is the dancer? I am with you.